اللهم اللهم لا علم لنا إلا إلا ما علمتنا وزدنا علما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc aujourd'hui, les enfants, on va raconter l'histoire du Ghurab. Répétez le Ghurab. Le Ghurab. Le Ghurab. C'est quoi un Ghurab? C'est un corbeau. Un corbeau. Donc on va raconter l'histoire du corbeau et de Habil et Qabil. C'était qui Habil et Qabil? Qui c'est qui était Habil et Qabil? C'était les deux enfants du prophète Adam. Répétez Adam. Adam. Alayhi salam. Comment s'appelait le premier des hommes, le premier des êtres humains? C'était Adam. Avant Adam, il n'y avait aucun monsieur, aucune madame. Amin Kaoul, mon histoire ne t'intéresse pas? L'histoire du Coran ne t'intéresse pas? Attention. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé le premier des êtres humains, il s'appelait Adam. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé pour lui sa femme. Et comment elle s'appelait la femme de Adam? La première femme de toute l'humanité. La première femme, Hawa. Donc là, on répète après l'adhan. Et ensuite, on continue l'histoire après la prière. Allahu Akbar. Écoute. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Répétez la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Et après l'adhan, on répète. Quand on entend l'adhan, après on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ensuite on dit اللهم رب هذه دعوة التامة
والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ensuite on dit ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc, Adam alayhi salam, c'était le premier des êtres humains. Et Allah azza wa jalla, il a créé la première des mamans, sa femme, la première des femmes qui s'appelait Hawa. Répétez Hawa. 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 Lorsque Adam et Hawa alayhim assalam, ils sont nés, donc c'était des jumeaux, comme Sami et Inès. Et Adam alayhim assalam, il était très content d'avoir eu des enfants et d'avoir eu des garçons. Mais Habil et Kabil étaient deux garçons très différents. Habil, il était très, très, très gentil. Répétez Habil. Habil. Il était très gentil. Il était très gentil. Et Kabil, il était très, très, très méchant. Habil, il était gentil. Et Kabil, il était méchant. Habil, c'était un garçon qui aimait Allah. Habil, il écoutait son papa et sa maman. Habil, il écoutait, il obéissait à ses parents. Habil, il voulait faire le bien sur la terre. Mais Kabil, il ne suivait pas le conseil de ses parents. Kabil, il n'adorait pas Allah. Kabil, il était jaloux de Habil. Il était jaloux de son frère. Et est-ce qu'on a le droit d'être jaloux de son frère ou de sa sœur? Non. Et là, Kabil, au fur et à mesure des années, il faisait du mal et il en voulait à ses parents. Et il détestait son frère. Et un jour, Kabil s'est disputé avec Habil. Et Habil, il voulait le calmer. Habil, il ne voulait pas se disputer avec son frère Kabil. Même sa mère Hawa voulait les réconcilier. Mais Kabil, il avait un cœur de pierre. Kabil, il était très jaloux. Sami, tu peux t'asseoir. Kabil, il était très jaloux. Et Adam, alayhi salam, il est parti voir Habil et Kabil. Et il leur a dit, si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, alors confiez votre dispute à Allah. C'est Allah qui va juger entre vous. Donc il leur a dit, chacun vous allez faire une offrande, chacun vous allez faire une sadaqa, chacun vous allez offrir quelque chose, chacun vous allez offrir quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Et si Allah il accepte, c'est-à-dire que vous avez raison. C'est-à-dire que Habil et Kabil ils se sont disputés. Et Adam, il leur a dit, pour savoir qui de vous a raison, Habil, offre quelque chose à Allah. Fais une sadaqa. Et Kabil aussi. Si Allah, il accepte de l'un de vous deux, ça veut dire que c'est un de vous deux qui a gagné et c'est un de vous deux qui a été
agréé et accepté auprès d'Allah. Habil, on a dit qu'il était très gentil. Il a choisi la meilleure des choses qu'il pouvait offrir à Allah. Et il a choisi un très très beau bélier. Un très très beau mouton. Un mouton très beau et très cher. Et il l'a sacrifié pour Allah. Mais Kabil, il a ramassé des mauvaises choses, des mauvaises herbes, des mauvais fruits, toutes des mauvaises choses pour l'offrir à Allah. Et lorsque il présenta leurs offrandes, un feu a emporté le mouton de Habil vers le ciel. Ça voulait dire qu'Allah Azzawajal, il avait accepté l'offrande de Habil et il n'avait pas accepté l'offrande de Kabil. Et Kabil, il a commencé à s'énerver. Il a commencé à insulter et à menacer son frère et lui a dit, je vais te tuer. Et Habil, il lui a dit, mais non, mon frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais Kabil était haineux. Il était rongé par la haine. Il a pris un gros caillou et il a frappé son frère Habil. Il a frappé son frère Habil et il a tué son frère Habil. Vous avez vu la jalousie? Comment c'est un très vilain défaut? Vous avez vu comment Kabil, il s'est disputé avec son frère? Et il a tué son frère. Et là, Kabil, lorsqu'il a vu Habil par terre, il a commencé à être triste et à regretter ce qu'il a fait. Et il ne savait pas quoi faire avec son frère. Il ne savait pas comment l'enterrer. Et c'est là qu'Allah Azzawajal, il a envoyé un ghourab. Allah, tabaraka wa ta'ala, il a envoyé un ghourab, un corbeau, et le corbeau, il a commencé à creuser un trou, et en fait, Allah, il a envoyé deux corbeaux. Un corbeau qui a fait comme s'il était mort, un autre corbeau qui a creusé un trou pour mettre l'autre corbeau dedans. Ça voulait dire à Kabil que tu dois creuser un trou et tu dois mettre ton frère Habil dans le trou pour pouvoir l'enterrer. Et là, parce que le corbeau, sachez que c'est un animal très intelligent. Le corbeau, c'est un animal très, très intelligent. Il est même plus intelligent que les singes. Parce qu'on croit que les singes sont les plus intelligents, mais le corbeau, il est très, très, très intelligent. Et Allah Azzawajal, il a envoyé un corbeau pour un simple corbeau, pour enseigner à Kabil ce qu'il devait faire. C'est pour cela que nous, les musulmans, nous détestons les crimes. Nous ne tuons pas les gens, mais nous aimons la vie. Et nous laissons en vie tout le monde. Est-ce que vous aimez Habil? Est-ce que vous aimez Adam? Est-ce que vous aimez Adam? Est-ce que vous aimez Hawa? Est-ce que vous aimez les corbeaux? Est-ce que vous aimez Kabil? Est-ce que vous aimez ceux qui tuent les gens? Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.